Salutations, c'est Cascal et aujourd'hui on est sur smartphone, sur Android hein, plus précisément. On est sur Room 25 Ultimate, un jeu qui a été développé par Meeple on the Cloud, une petite équipe de 3 développeurs qui m'a envoyé une copie du jeu pour que je teste. Voilà. Et je trouve ça plutôt sympathique de refaire des jeux sur Android, histoire de passer un petit peu de temps parfois dans les transports en commun ou quoi que ce soit. Alors, le jeu est toujours apparemment en développement. Hein. Pour l'instant, on a accès au mode suspicion en pass and play ou alors en coopératif en solo ou en pass and play. Donc là, on va juste faire ça en solo. On va faire une nouvelle partie. On va faire 4 joueurs en normal. On va faire un donjon aléatoire comme ça. Et c'est tout. Voilà, on choisit notre équipe. Alors, je prends les 4 personnages du dessus. Ça n'a pas d'importance. Enfin, si, en réalité, si on fait une vraie partie, ça a de l'importance puisque chaque personnage a sa propre capacité spéciale. Mais là, c'est juste pour présenter un petit peu le truc. Donc, en début de partie, on a le droit de regarder une tuile qui nous est adjacente. Si on ne sait pas ce que c'est, on peut maintenir le clic dessus et on a alors le doigt dessus. Hein, et on a l'info de la salle qui. En question. Donc, une fois révélée, cette salle devient inaccessible pour le reste de la partie. On va mettre dessus un jeton de notre crosse qui apparaît. Après votre seconde action lors du prochain round, si votre personnage est encore dedans, il est éliminé. Si j'y rentre maintenant, enfin pas maintenant, mais avec ma deuxième action, je peux bouger avec la première action du round d'après. Je me comprends. Alors pour l'instant, ils vont tous se contenter de regarder et se déplacer après. Sauf là, puisqu'on a déjà vu une des salles qui nous était adjacente. Voilà, je valide mes actions. Donc je regarde ici. La prison, c'est pas ouf. Ça peut aller. Ça, j'aime pas non plus. Et là, on va aller par là quand même. Là, c'est ma deuxième action de déplacement. Donc je pense que je peux aller par là. Ouais, j'ai coupé la musique déjà, j'ai laissé les bruitages, ils sont peut-être un petit peu forts, mais ça va pas être gênant. Où est-ce qu'elle va aller, elle? Là, c'était paranoïa, et ici, c'était quoi? Je sais plus. Bon, allez, j'y vais. Ah oui, c'était la prison. Bah, du coup, je vais l'envoyer plutôt par là. Il y a tout qui bouge et je vous avoue que je ne suis pas trop ordre. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est déplacer, regarder, déplacer, regarder, déplacer. Alors, j'ai été interrompu par un petit coup de téléphone. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Je vois que toutes les actions sont programmées et bah, c'est tout. Du coup, je valide. Alors, je jette un petit coup d'œil par là. Ah, j'avais peut-être déjà vu ça. Alors, je sais plus, franchement, je sais plus. Je jette un petit coup d'œil par ici. C'est pas mal. Un petit coup d'œil par là, c'est moins bien. Et là, je dois me déplacer. Allez, je suis un ouf, je vais par là. Ok, c'est pas très grave. C'est juste que dans la salle froide, on est ralenti, on n'a plus qu'une seule action. Lui, il peut se déplacer. Est-ce que je l'envoie dans la salle froide aussi? Ce serait bien de visiter ce coin-là. Elle va aller là. Et je vais décaler vers le bas. Voilà, de façon à ce qu'elle, elle puisse aller là. Et lui, il va jeter un petit coup d'œil par là. Ah, pas ouf. Ah. Parce que j'avais prévu, je voulais visiter ce coin-là. Bon, tant pis. Tant pis. Alors, elle, petit coup d'œil avant de se déplacer. Pareil, coup d'œil. Ouais, je risque d'être bloqué, hein. Ah, non, c'est la fausse sortie. Ouais. Ah, ouais, j'ai oublié de sortir de la salle. Bon ben voilà, c'était Room 25 Ultimate, hein. C'est un jeu de plateau que j'aime beaucoup et c'est toujours un plus de l'avoir sur Android. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!